Donc, je m'appelle Robin Campillo, je suis réalisateur, réalisateur français, et j'ai réalisé trois films jusqu'à maintenant. J'ai travaillé sur plein d'autres films, mais en tant que réalisateur, j'en ai fait trois. Un film qui s'appelle Les Revenants, un deuxième film que j'ai fait 10 ans après qui s'appelle Eastern Boys, et un film que j'ai fait l'année dernière qui s'appelle 120 battements par minute, si je m'en souviens bien. Et voilà, et donc je suis ici au festival Lovers de Turin. Pour présenter un peu, je crois, deux de mes films et parler un petit peu aussi de production et de distribution de films LGBT. Et voilà, donc je suis très content d'être ici. Voilà. C'est la dernière date que je fais parce que ça fait depuis le festival de Cannes où mon film a été présenté, c'était il y a 1 an, et donc j'ai fait plein de festivals, plein de sorties, et là c'est le dernier festival auquel j'assiste. Enfin. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé de la question de la distribution des films LGBT dans le monde. J'ai pourtant l'impression que c'est un vrai sujet, c'est une vraie question, parce que ça se pose la question effectivement de ce qu'on présente au public, de ce qu'on présente. Par exemple, en France, on est, en tant que cinéaste d'auteur, on est très protégé par rapport à la télévision et par rapport au VOD, au VOD, tout ça, etc. C'est-à-dire. On ne peut pas, les films ne peuvent pas passer à la télévision, ne peuvent pas être en CD, en DVD, après une longue période. Donc on est très protégé. Mais maintenant qu'il y a Netflix, qu'il y a tous ces trucs-là, etc., il y a beaucoup de films qui vont se faire directement pour le petit écran. Moi, je suis très attaché aux salles, parce que je pense que c'est dans les salles qu'on fait le public et c'est dans les salles qu'on fait l'économie du cinéma. Je crois vraiment beaucoup. Et que c'est vraiment cette question va devenir très très importante parce que ça va être très très facile de faire un premier film comme ça pour Netflix parce que Netflix ils ont beaucoup d'argent en tout cas pour le moment et donc ils peuvent financer votre film mais votre film en fait ne sera vu que par le petit groupe qui peut s'intéresser à ça et si il faut faire attention de ne pas faire des films de faire des films LGBT seulement pour les LGBT je pense qu'il faut vraiment faire que pour moi, le film, c'est un objet populaire. Le cinéma, c'est une industrie. Et je pense que vraiment, la salle, pour moi, ça reste la chose la plus importante, que les gens se déplacent dans les salles. Voilà, je pense que c'est vraiment pour moi le truc le plus important.